Iborawan, Barawata, qui sont-ils? D'où vient cet ethnonyme? Quelle est l'étendue de leur territoire? Iborawan, Barawata, des historiens arabes, est l'ancien nom des peuples amazighs, ils naissent pour la plupart du Temsna. Le Bekri au site page 300 et Ibn Idari à partir de la page 44. Elle est Sibsar, page 198. Qui adopte l'idéologie d'une secte hérétique selon l'orthodoxie ash'arite, initiée par Salih Outarif, Raoud, page 180 et suivante. Ils ont dominé Temsna et jusqu'à Ceuta et Tanger, à l'époque des Almoravides, sous le commandement d'un certain Sahraoui. Leur capitale serait Anfa ou Asafi, de 744 à 1149, ou même Salé, Tersiasi, tome 2, page 49, doublé de Ibaran, si l'on tient compte du changement fréquent de R gracieux en R roulé, comme dans le Tirst, puis pour Tirst. Tirst pour puis, qui signifie puis, pour Tirst. Amdra, Amdre, Montagna, Mtara, Onara. Temezirt, Temezirt, Adra, Adred. Ici, on a gardé les deux réalisations R et R, avec une prononciation régionale Arwad, pour Arwad, Bouk, Kapra, ou fraction des Imraoun, les Marocains, qui ont fondé et occupé Arwad, ou l'Arwat, en arabe, en Algérie actuelle. Cette réalisation serait une réalisation de ceux qui ignorent la labialisation. Iborawan serait donc un synonyme de Ibaran ou des Ibaquates et des deux ou des Ibaquates. Merci, page 18. Il n'est pas impossible qu'ils étaient adorateurs du dieu Bouc à leur début. Les eaux ethniques avec Caprin est très fréquent en Tamazight, soit à cause de leur vénération de dieu Bouc, soit avec leur relation particulière avec ces animaux comme Ibaran. Ibaran, Ait Atta ou Ait Isdik, Ait Marad, Arwadn, Arwadn, des Imraoun, voir Germain, Espéris, 1948, page 93 et suivante. Même si l'auteur des célébrités berbères prétendait que cet ethnonyme vient de la vallée de Barbate, d'où Salih serait originaire, et que son adepte se dit Barbati, et que les Arabes l'ont corrompu ensuite en Borawati, page 53. Cela pour éloigner Salih des Amazighs et le rattacher aux Espagnols. Cet ethnonyme serait appliqué au début aux Iborawans du Sud, au Tembra, ou même sombre actuellement Ebda, puis généralisé à toutes les autres ethnies de la région si l'on tient compte de son ethnologie, de son étymologie. Ber, ampliatif plus Arad, Caprin ou noir, ou de Roule, être brun, bruni, noir, avec changement de L en finale en D, toutes deux coronales. Nous avons aussi en Temesiat le verbe Rod, tailler, couper, être coupé, qui explique le terme Wagd, qui n'a ni frère ni cousin, c'est-à-dire coupé des siens, avec lesquels ils ont une relation particulière. Ce peuple a donc un rapport particulier avec les chefs ou avec les étrangers sans famille, ou de la tribu des Arwadn, Irmwarn. Cette étymologie peut être fiable du fait qu'historiquement, ils ont tué les Wagd, des récalcitrants Isnagn. Ils tuèrent également Abdullah ou Yassine, Ntinizemen, qui les aurait combattus avec Boukir, Ntilgagin ou Wayaktin. En 1058, Raoud, page 185, Allah Yassine est enterré dans une localité montueuse qui s'appelle Krifelt, Al-Bekri Opsit, page 318, à Roumanie actuelle, en Pays Zahir, qui ont transformé son mausolée en étable pour mieux honorer le rôle qu'il a joué dans la fondation du vrai empire marocain. Les Almoravides auraient, d'après la même source, conquis Fès, les terres des Isnet, Imraoun, et la ville de Meknès, Bakoutès, qui leur a été donnée par les Romains, révèle ainsi l'origine de cet ethnonyme sans R, qui serait dû à une prononciation régionale défectueuse reprise par les compilateurs arabes d'hier et d'aujourd'hui. Ben Mansour, comme Ben Mansour.